Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on commence au coucher de soleil à côté d'un lac et d'une cabine. Bon, c'est le deuxième vlog de suite où je suis en train de découvrir l'Ontario et je suis de nouveau avec Marie, que vous voyez peut-être derrière là-bas, je sais pas où elle est. On vient de profiter du coucher de soleil. Elle est là ce week-end pour créer du contenu et elle m'a proposé d'être sa plus un. Donc j'en profite aussi pour vous emmener et vous montrer cette très très jolie cabine. Puis la vie au Canada comme on l'imagine, au bord du lac. Franchement, c'est vraiment 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 très canon. Je vous mettrai toutes les infos, je vais vous faire un tour de notre cabine. Nous, c'est celle-ci, celle qui est vraiment au bord de l'eau, qui s'appelle le Boat House. La maison bateau, voilà, ça a tout son sens quand vous allez voir la vue qu'on a de l'intérieur. Et en fait il y en a plusieurs en haut, il y a un jacuzzi aussi, donc voilà, on va être là, je suis demain toute la journée et je vous embarque profiter. Et on va aussi profiter d'être dans ce cadre magnifique pour filmer une vidéo qui sortira un dimanche et où elle va nous partager son expérience en étant en ayant grandi en tant que francophone au Nouveau-Brunswick, qui est d'ailleurs la seule province officiellement bilingue au Canada. Elle va nous partager son expérience. On a aussi préparé une liste en fait au fur et à mesure des mots qu'on utilise et qui sont différents pour dire la même chose, pour vous partager ça aussi. Donc voilà, on a prévu plein de petits trucs cool. Et là pour l'instant ce que je vais faire c'est ramener mes affaires à l'intérieur et surtout sortir ma valise avant qu'il fasse nuit. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Franchement, je sais pas comment ça ne pourrait pas vous plaire parce que c'est vraiment magnifique. Bien sûr, toutes les infos pour réserver ce cottage, cette cabine seront dans la barre de description et il y aura aussi un article sur le blog pour vous reprendre toutes les infos. Voilà. Allez, bisous. Je viens d'atterrir dans un film. Je vous promets, ça ressemble trop à un film. Attendez, Marie vous a pas dit bonjour encore. Bonjour, c'est encore moi. Deux semaines je dessus. Je suis maintenant dans tous les vlogs d'Astrid. Regardez comme c'est mignon. Non mais regardez, attendez. Regardez. Regardez, ça comme c'est beau. Ça c'est trop beau. Là-bas, il y a marqué Scott's Valley. On dirait trop un truc de film aussi. Tout a l'air comme dans les films. Il y a ce petit café. Ouais, on va essayer. T'as regardé l'autre aussi? Oui. Mais c'est... je pense que je préfère ça. Ok, bon, mais parfait. Ok, c'est trop mignon. Sunday's Company, c'est quoi? C'est Apothecary.
Ok, on va vous faire faire un tour, on va vous montrer tout ça. On va d'abord se remplir le ventre parce qu'on en a fait, faim. On nous a dit ce matin que c'était beaucoup de gens de Toronto qui déménagent ici. Donc ouais. Si vous avez envie de déménager à l'extérieur de Toronto, il paraît que ici c'est très populaire. Ouais. Je sais pas où on est ici, ouais. Mais je me rappelle plus du nom. Je vous remettrai le nom sur l'écran là. Bienvenue dans mon rêve de film. Regardez comme c'est trop mignon autour de moi. À chaque fois que je balade en Ontario dans des petits villages, alors je vous ai déjà dit, il y en a plusieurs qui ont été utilisés pour des films, mais regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. On va vous emmener faire un tour avec Marie, on va vous montrer comme c'est joli. Bien sûr, je vous mettrai toutes les informations dans la barre description et dans l'article de blog. Mais on a aussi une histoire très très drôle à vous raconter sur notre petit déjeuner ce matin. Allez, on vous fait une petite visite. J'essaie de vous parler pour le vlog, mais franchement, j'arrive pas à poser ma caméra tellement c'est trop beau de partout. Bon, nous voilà assises sur un petit. Je sais même pas dans quoi on est en fait, mais c'est très joli. Non, un centre des arts. Un centre des arts, voilà. Il faut qu'on vous raconte notre petite rencontre du petit déjeuner. Donc, on s'est mis dans ce petit café qui était vraiment mignon, ouais. Qui a été recommandé par les. Par les gens à Away Cabins, ouais. C'est K-O-K. Voilà. Et on s'est déjà tout ressemble à, dans un film, donc moi j'avais l'impression de vivre, être rentrée sur un tournage de film. Et en fait là on a un monsieur qui a commencé à nous parler. En fait non, il m'a vu prendre des photos dehors. Ouais. Et quand je suis rentrée, il m'a dit je suis le maire de la ville. Et honnêtement, entre vous et moi, je l'ai cru parce qu'on peut être le maire de la... Enfin, dans des villes comme ça, des petits villages, souvent les gens... Il aurait pu être le maire de la ville. Oui, voilà, et puis il était très avenant et tout ça. Et il n'était pas le maire de la ville, punch de l'histoire. Voilà, il n'était pas du tout le maire de la ville, mais en fait, on a commencé à discuter. Et là, j'ai passé, mais je ne sais pas, 20 minutes au moins, oui. À discuter avec lui et son ami. Il y avait une femme à côté qui était son ami, ils se connaissaient depuis 40 ans, elle a dit, je crois. Hein. Astrid s'est fait draguer par un monsieur de 85 ans qui voulait déménager avec elle à Toronto. Voilà. Il voulait lui vendre une voiture aussi. Il m'a demandé si j'étais mariée. Il t'a demandé si t'étais mariée. Je lui ai dit non, mais chaque jour on en est plus près, quoi. Enfin, ouais. Je veux dire, on se rapproche. Mais ça le dérangeait pas. Non, mais j'aurais peut-être dû lui montrer la photo sur mon téléphone, il aurait... Ouais, je sais pas. Mais vous auriez dû... J'aurais voulu filmer, mais j'ai pas filmé, ouais. Parce que je savais pas à quel point ces gens-là, mais Astrid était comme dans un rêve. C'était un moment magique pour elle. Elle s'imaginait vraiment dans Gilmore Girls, au café chez Luke, en train de parler avec les gens locaux. Ah, mais moi, je vivais ma meilleure vie. Puis t'as vu, je suis un poisson dans l'eau. Je suis trop, ouais. Contente de rencontrer des gens. Moi, je suis très introvertie, donc j'étais plus timide. Mais toi, t'étais vraiment... Moi, j'ai... T'es fait ami, là. Ah, moi, c'est... Je suis surprise qu'il... Ben, en fait, il a dit qu'il retournait avec toi à Toronto demain. Oui, oui, oui. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il ait une tenue pour une soirée, parce qu'on a une fête. Ouais, mais je pense que ça lui posait pas de problème. Non, non, il avait l'air d'être prêt, hein. Ouais. Donc, vous allez peut-être voir un nouveau personnage sur les vlogs d'Astrid dans les prochaines semaines. 85 ans et qui ne sera pas mon grand-père. Non, ça va être ton copain. Oui, mais je suis pas sûre que M. Chaton soit très d'accord avec ça, mais... Moi non plus, ça d'ailleurs. M. Chaton numéro 2. M. Chaton version... Monsieur Matou. Monsieur Chaton senior. Oui, c'est ça, exactement. Puis il se ressemblait beaucoup en plus, hein. Ah, oui, oui, bon, dommage qu'on n'ait pas pu vous montrer, mais non, si vous savez... Il se ressemble pas du tout. Monsieur Chaton et Monsieur Chaton senior, non, ils se ressemblent pas, non, particulièrement. Bon, bon. En tout cas, on a passé une très bonne matinée. En plus, il nous explique qu'ils sont ici, ils habitent ici, ça fait toute leur vie, ils sont de la place, ils vont au café à chaque matin, ouais. Tous les jours de la semaine. C'était deux amis qui se sont rencontrés à l'école, mais qui font de la danse en ligne ensemble. On a même su les détails juteux du foyer pour personnes âgées ici. De la vie sexuelle du... Ouais.
Ouais, on partagera pas tous les détails, mais on sait ce qui se passe. Quand il y a des portes fermées, on le sait ce qui se passe. La porte, elle est fermée et ils ont dit d'attendre une demi-heure. OK. Donc, vous voyez le genre de conversation qu'on a eu. C'est un peu tôt pour ce genre de conversation, mais OK. Non, c'était, c'est pas seulement un peu tôt, mais genre, on vient de rencontrer. Oui, oui, c'est, on ne les connaissait pas. Et en tout cas, c'était ils étaient très, très gentils, très drôles. Et c'était inattendu comme interaction. Mais j'avais vraiment, je regrette de ne pas avoir filmé Astrid parce que c'était vraiment pour elle, on le voyait dans ses yeux, elle se disait je suis Rory. Ah oui, oui, moi je vivais mon. Moi j'étais en train de vivre mon film. Et ça fait rire tout le monde d'ailleurs quand eux ils sont partis après et qu'on a parlé avec le bah, je pense que c'était les deux propriétaires, ouais. Ouais. Et puis d'autres personnes qui étaient qui étaient en train de travailler sur leur ordinateur. Et rigolait tous quand elle disait ça. Non mais elle est française, donc là elle vit sa meilleure vie, c'est son truc de film. Donc ben, on leur a dit merci d'avoir permis à Astrid de vivre son moment Hollywood. Et puis on leur a dit, je me rappellerai toujours de ce moment. Ouais, je me rappellerai toujours. Le moment où tu as été dans Gilmore Girl. Voilà. Donc regardez la suite de Gilmore Girl bientôt sur vos écrans. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, mais tu dois le savoir toi, mais le pilote il a été filmé à côté de Toronto, ouais. À Unionville. Faudrait que je retourne, j'y suis allée il y a longtemps et il y a vraiment ça. Enfin, on voit, si tu connais la série, tu reconnais tout quoi. Parce qu'après, ils ont reproduit le set de tournage, ils l'ont reproduit aux États-Unis. Mais j'avoue que ce matin, dans le petit café, on aurait vraiment dit qu'on était dans un café comme Luke. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ça veut dire aller explorer des petits villages en Ontario. Il y a plein de choses très très jolies à voir. Parce que là, non, là on est venu par hasard en fait. Hein. Oui, et c'est à 1h30 de Toronto. Ouais. Et puis, oui, on est venu un peu par hasard comme ça, mais c'est vraiment charmant. Il y a des boutiques vintage, il y a des magasins. Je me suis même acheté une chandelle qui sent le sirop d'érable. C'est très canadien. Ouais. Toi, tu vis ton rêve nord-américain, puis moi, je reste très canadienne dans mes choix de chandelles. Ah, mais vraiment. Bon, allez, on va vous retrouver au bord du lac. On va retourner, hein, on va retourner là-bas. On a rempli de la planche à pagaie, donc paddleboard. Et en français, planche à pagaie. Mais nous, du coup, on dit juste paddle. Et Monsieur Chaton, il est confus quand je dis paddle. Il me dit, mais c'est paddle board. Oui, parce que le paddle, c'est la rame. Mais bon, après, il faut qu'on aille aussi dans le bain, tourbillon. Oui. Vous dites quoi? Jacuzzi. Jacuzzi. OK, ça va, c'est bon. Et puis, en fait, donc, on a une après-midi remplie. On va être très, très occupés, effectivement. Et on doit filmer une vidéo YouTube. Ça, ça va prendre plus de temps. Ah oui, où vous allez apprendre davantage de mots franco-canadiens versus français. Bon allez, à tout à l'heure. Bisous. Bon, on se retrouve dans le cottage et regardez qui s'est invité à la fête. Quelqu'un qu'on ne voulait pas voir. La tempête. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La tempête, regardez. C'est tout couvert et heureusement qu'on a filmé tout le contenu que Marie devait faire avant. Voilà, et là... en profiter pour manger des pizzas de ce qui reste d'hier soir et puis ben papoter, éditer des trucs et surtout se tenir au sec. Voilà. Pour nos aventures en direct de Valumart. Parce qu'en fait, on allait au restaurant quand même ce soir. D'ailleurs, je vais mettre. J'ai pas pris en photo ce qu'on avait mangé, mais la terrasse était très belle s'il n'avait pas plu. Oui, c'était très beau. Et c'était très bon, c'était un resto italien. Ouais. Très bonne pâte, vraiment très bonne. On s'est bien régalé, mais là, on aimerait mieux prendre un truc pour demain matin pour pas avoir à courir parce qu'on a encore du contenu à créer parce qu'on a eu pas mal de pluie. Ouais. Donc, pas été évident de créer tout ce qu'on voulait. Et donc demain matin, et après demain matin, on reprend la route. Mais là, il y a du soleil, donc. Donc on se dépêche, d'ailleurs, on se dépêche
et on va apprendre des trucs. Et je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce petit village. Et au final, vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez faire celui-ci, celui qu'on a fait ce matin. Et Port Hope, on était en octobre. Tu pourrais peut-être te mettre des vidéos de Port Hope. Ouais, c'était trop beau. Regardez, je vous remets les vidéos. Nous, on va faire les courses. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard avec mon rouleau de papier d'essuie-tout. Voilà. La vidéo du week-end dernier est en train d'exporter. On est vendredi, d'habitude je poste tous les mardis, mais alors là, tous les mercredis. Mais là, comment vous dire que je n'avais absolument pas le temps, pas l'énergie. C'est juste pas possible de tout faire en même temps. Mais normalement, on devrait pouvoir prendre un rythme normal. Là, la vidéo qui va sortir, bah du coup celle-ci, je vais la mettre sûrement demain. Et vous aurez une vidéo dimanche, vous aurez une vidéo mercredi. Voilà, c'est juste que ça en aurait plus d'un coup. Et là, on va manger. Mais c'est énorme, je pensais pas que c'était si gros. Ouais. Ouais. Je sais pas quoi dire. Mais ils sont très gros. Mais c'est bon. C'est des drumsticks. Vous avez les drumsticks? Non. Vous avez les Eskimos, vous? Ouais. Ouais. Je pense que j'avais bien. Mais. Drumsticks. Tu m'as dit que avec caramel à l'intérieur. C'est comme une surprise. C'est... Tu m'as ruiné la surprise en fait. Bah désolée, je te l'avais dit au magasin. Oui, c'est vrai. Elle me l'a dit au magasin. Bah, je vais mettre ça parce que c'est sûr que moi. Tu fais du thé. Et ça va tomber par terre. Hein. C'est toi qui voulais avoir des serviettes. Bah, je... Mais... Moi je t'ai dit, je suis une professionnelle, je ne ferai aucun dégât, mais c'est vrai. Mais, toi, mais est-ce que tu comprends que je reconnais mes capacités et mes limites? Alors, en plus, avec le niveau de fatigue qu'on a aujourd'hui, on est dans un niveau de fatigue, vous n'avez pas idée. Attendez, parce que j'ai mon téléphone devant et ça doit sûrement faire la mise au point sur mon téléphone. Il est 9h et on veut déjà aller se coucher. Ah oui, on attendait de voir s'il y avait le coucher de soleil ou pas. Il n'y a absolument aucun coucher de soleil ce soir. J'ai exporté ma vidéo. En même temps, la météo aujourd'hui était un peu... En fait, tu veux parler, donc on va te tourner parce que je croyais que tu voulais pas qu'on te voie. Non, je veux pas qu'on me voie, mais voilà. Tu veux qu'on te voie, tu veux pas qu'on... Non, je veux parler, mais je veux pas qu'on me voie. Okay. Mais c'est bon, c'est bien réglé, je vais tout faire. T'es un peu flou, t'es caché derrière ça. Ah bon, ça va, c'est bon. Je vais me pousser. Mais c'est la météo aujourd'hui, je pense aussi, qui nous a un peu... Quand la météo est changeante comme ça, il y a du soleil, il y a de la pluie, il y a du soleil, de la pluie, je trouve que ça me... Ah bon, on est flou, hein. Tant mieux. La caméra comprend que mon visage n'est pas... on peut pas le montrer à cette heure-ci. C'est incroyable! Ah! Attendez. Ah! Oui, ben en tout cas, c'était un très beau week-end. Il nous reste encore un petit peu de demain matin pour faire quelques... Oui, on espère qu'il va y avoir un peu de soleil. Parce qu'on a des trucs qu'on veut terminer. Ouais. Genre, là je suis en train d'éditer une vidéo avec une, vous appelez ça paddle, planche à pagaille, c'est comme ça en français ici. C'est bon! Et oui, c'est, ben, je te l'avais dit! En plus, il y a du caramel, c'est une surprise. Mais c'est plus une surprise. Mais je suis en train d'éditer pour essayer de faire en sorte que les nuages menaçants, genre noirs, aient l'air tout doux comme des moutons. Mais il y a des limites à ce que l'éditing peut faire, hein, quand même. Oui. Parce que j'ai des vidéos de moi sur une planche avec des éclairs dans l'arrière-plan. Je pense pas que mes clients veulent que j'encourage la pratique de la planche en plein tonnerre. Mmh. Mais même nous, on s'est dit quand même que c'était dangereux. Hein. Ouais. Ouais, c'est après... excusez-moi, mais vraiment, je suis un cochon. Non, c'est bon, c'est bon. Mais t'en es plus? Non. Mais vraiment, ça faisait peur. Après, on s'est dit, ok, il faut vraiment que tu sortes parce que... Même là, déjà, t'as vu comme ça va vite, le courant. On dirait pas que c'est un lac, hein. J'étais même pas capable de me lever debout sur la planche. Ouais. Non, c'est fou. Hein. Il y avait trop de courant. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça ait l'air comme si on est bien relax, sans, avec un beau ciel bleu, mais l'editing peut faire des miracles. Il y a des limites, quoi. Ouais. Oui. Donc, si vous voyez cette vidéo passer sur un compte, le compte de sales, dans les prochains mois, vous saurez que... S'il vous plaît, aimez-le aussi. Oui, aimez-le. Puis dites, oh mon Dieu, cette journée avait l'air si belle et parfaite. Voilà, si vous venez de cette vidéo et que vous voyez le contenu après, est-ce qu'on nous voit? Je sais même pas si on en... S'il vous plaît, dites que c'est magnifique et commentez un truc pour dire que... La journée avait l'air parfaite. On dirait à peine qu'il y avait un orage. Un orage? Mais où ça? J'essaie de... J'apprécierais vraiment... Mais je pense que c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, en fait. Je pense.
je vais acheter mes commentaires. Ouais. Si vous aimez... Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui savent si pas. Vous aimez et vous commentez, j'irai aimer et commenter vos photos en échange. Voilà, donc il faudra lui envoyer un message privé pour dire « Oh, c'est bon, je t'ai mis un commentaire. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourras aller... » Mais tu sais qu'il y a plein Mais de... Mais il faut dire sur le commentaire que c'est beau et il fait soleil. C'est beau, il fait soleil... tu sais qu'il y a plein de gens, je parlais avec des gens autour de moi, qui ne savent pas que tu peux acheter des vues, des abonnés, ah, mais oui, mais des commentaires, ouais. Des vues en story, même des bon, tout. Déjà, Astrid et moi, on n'achète pas nos vues, nos commentaires. Non, j'aurais trop... je ne me sentirais pas du tout légitime si je faisais ça. Mais oui, c'est une pratique qui est quand même assez courante. Je reçois des messages toutes les semaines dans ma... Ah oui, moi aussi, hein. Ouais. Oui, moi aussi. Dans le... Si vous allez dans... Mais alors là, mais c'est une catastrophe. mais que se passe-t-il? On va commencer toute notre conversation. Oh non, c'est pas grave, on sera flou, hein, on sera flou pour une seconde. Hein. Toutes les semaines, si je vais dans mon truc autre, de mes messages sur Instagram, j'ai ce genre de choses. Ah, mais c'est parce qu'il y a ça devant. C'est incroyable. Incroyable. Et ça coûte pas si cher que ça. Hein. Donc c'est pour ça que les gens ils sont tentés. Mais moi, je préfère voilà, voir mes chiffres et puis... Bah, c'est une pratique comme une autre. Si les gens... si c'est ce qu'ils veulent faire, bon... c'est possible de le faire, mais je ne recommanderais jamais. Ben non, mais des fois, parfois aussi, on peut savoir en fait que c'est acheté. Ouais. Bon, parce que si quelqu'un poste un reel qui a 32 000 vues, mais qui a 12 commentaires et 3 partages, ben on peut bien se douter que peut-être qu'il y a eu... Ben oui, il faut comparer. D'ailleurs, si vous êtes vous-même entrepreneur, vous avez une marque, vous voulez travailler avec des marques, avec des créateurs de contenu, faites attention, vous ne faites pas avoir. Bon, voilà, c'était tout ce qu'on avait à dire. Je vais continuer à manger ma glace et je pense qu'on va aller... Je veux boire mon truc qu'on a acheté tout à l'heure, par contre. Mais peut-être que je vais boire ton truc. Ah oui, on a acheté. C'était bon. Oui, ok, d'accord. Donc, voilà. On a acheté du thé glacé. Je n'ai pas trouvé le caramel encore. T'as pas quoi? Ah, mais oui, mais la surprise, il faut que... Prends une bouchée puis montre-leur ta surprise. Ben, voyons, il n'y en a pas de caramel. Ah, là, voilà. Et le caramel, c'est la meilleure partie. Et on peut aussi en acheter sans caramel. Si vous venez au Canada, vous vous demandez « Ah, je vais acheter des drumsticks », vous pouvez en acheter sans caramel, mais faites-moi confiance. C'est 300 fois mieux avec le caramel. Monsieur Chaton, il n'aime pas le caramel, donc d'habitude, on n'en a pas à la maison. Bah, pas qu'on peut... Pas qu'il m'empêche d'en manger, hein. Mais... Non, ça en fait plus pour toi. Non, mais on a un congé... Maintenant, il peut avoir les siens. Comme d'habitude, on a d'autres... Parce que moi, j'aime bien la glace menthe chocolat, lui, il n'aime pas trop. Mais surtout, on a un petit. Ok. J'arrive à vivre avec quelqu'un qui n'aime pas. Je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir passer cette étape-là deux. On va surmonter cette différence. Mais en fait, notre congélateur, il est assez petit quand même à la maison pour un frigo nord-américain. Moi, je suis une experte des drumsticks. Vous pouvez en trouver des mini. Oui, oui. Avec ou sans caramel. Donc, mini, avec ou sans caramel. Vous savez tout. J'espère vraiment que vous avez passé un bon week-end avec nous. On va sûrement vous montrer quelques images encore demain. Mm-hmm. Mais c'est sûrement quand même la fin. Ouais. Parce que demain matin, on va être quand même assez... Et je sais pas quand on va se revoir. Bah, tu devais venir bientôt, mais... Ah ouais, c'est vrai. Je vais peut-être venir à Toronto. Donc, peut-être que vous allez me voir sur un vlog. Bah, parce qu'après, la prochaine semaine. Toi, tu pars tout le mois de juillet, moi, je pars tout le mois de juillet. Oui, mais après ça, ils vont se dire, allez où? Bah oui, je sais. Parce qu'ils m'ont vu trois fois maintenant. Oh mon Dieu! Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est la luminosité. Mais surtout, allez la suivre sur Instagram si vous voulez découvrir plus d'endroits. Ok, mon Dieu. À visiter en Ontario. Je sais pas, mon... Mais je sais pas pourquoi c'est si pénible aujourd'hui. Un peu, je leur avais donné un cours de drumstick. Quoi? Mon drumstick? Je vais plus en train de croquer. Du ASMR. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La première vidéo de ASMR que j'ai vue, c'était des gens qui jouaient à un jeu vidéo qui étaient là. Oui, alors. Non, mais moi j'ai un secret. Pour m'endormir, parfois j'écoute du ASMR. Oh, mais. C'est bien? Ça m'aide vraiment beaucoup. C'est du ASMR de gens qui, genre, jouent avec les cheveux d'une autre personne. Genre. Oui, mais j'en vois plein sur YouTube. Ça fait du bien dans mon cerveau. Donc, si vous souffrez d'insomnie comme moi, essayez le ASMR. Oui, mais c'est des grosses, grosses chaînes YouTube. Hein. C'est très, très populaire. Ouais. Hein. Bon. Tu t'es lancée dans la mauvaise branche YouTube. Oui, j'avoue. ASMR. Bah, c'est sûr que
moi, en étant destinée aux francophones qui viennent en Ontario, mon audience possible, elle est plus petite. Je pourrais faire du ASMR en acadien pour toi. Merci. Lingard, j'ai pas compris. Lingard. Allez voir nos vidéos sur le parler. Oui, allez voir nos vidéos sur sur les mots acadiens. Oui, elle sera sortie d'ici là. Je vais l'éditer, je pense, demain ou dimanche. Ouais, place-le ici. Allez voir sur Instagram. On mettra aussi sur TikTok. Mm-hmm. Pas qu'on soit très très... T'es plus active sur TikTok que moi. Depuis cette semaine. Jusqu'à la semaine prochaine. TikTok, c'est pas mon truc. C'est comme les gens qui disent ils sont actifs seulement quand ils partent en vacances. Ouais. Mais sur TikTok, c'est vraiment sporadique. Ça faisait genre un an et demi que j'avais rien partagé. Mm. Et là, j'ai décidé cette semaine de partager. Ça a été plus ou moins avec succès. Donc, TikTok, je sais pas, je suis pas... Mais YouTube, moi, quand je poste, je fais YouTube Short, TikTok. Mon Dieu, t'as beaucoup plus de patience que moi. Instagram. Une fois que j'ai fini avec Instagram, je suis à bout d'énergie. Des fois, je passe sur Pinterest. Oui, mais quand on partage sur Instagram, il faut aller aimer toutes les photos de tout le monde, il faut commenter 4-5 fois, il faut... C'est fou, là. Lever ta jambe en l'air. Ouais, genre tourner 3 fois, taper ton nez, puis souhaiter que les dieux d'Instagram montre ton contenu à 3 personnes. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de commenter, de mettre un j'aime, de nous dire, parce qu'en fait, Instagram, particulièrement sur Instagram, le contenu n'est pas toujours montré, et des fois c'est un peu désespérant de passer des heures à faire un truc et dire « Ok, il y a 3 personnes qui l'ont vu, et c'est ma mère, ma sœur et mon frère. » Mais moi, je vois tes trucs. Oui, moi, je vois toujours les tiens. Moi, je commande tout le temps aussi les tiens. Donc voilà, merci d'avoir participé à cette conversation sur les médias sociaux. Et les drumsticks. Et le ASMR aussi. On s'arrête plus. On a fait le tour. On va se coucher. À demain. Bonne nuit. Ça va être confus. Je sais même pas si je pourrais suivre moi-même ce qui vient de se passer. Bon, j'ai coupé la caméra et en fait, elle a continué à discuter. Oh non, ça filmait encore. Ah oui, non, ok. Non, j'avais coupé. Ah oui. Mais comme tu continues à discuter et à me l'expliquer, et elle a l'impression qu'elle a... Oui, j'ai l'impression que je rends un service majeur parce que j'ai l'impression que les gens qui viennent d'ailleurs et qui déménagent au Canada, ils n'ont jamais eu un cours sur les drumsticks comme celui que je viens de donner. Genre, ils ne savaient pas, s'ils arrivent et ils ne savent pas lequel acheter, genre maintenant, ils savent. Et... Est-ce que tu veux que j'envoie une lettre à l'immigration? Oui, pour dire que je peux offrir des cours sur les drumsticks à acheter. Que tu fais l'œuvre du gouvernement. Non, mais c'est important parce que quand tu arrives, tu veux quelque chose de... Tu veux manger quelque chose de sucré, qui te rend heureux, qui te rend joyeux, qui te genre rassure. Un drumstick, ça peut faire ça pour toi. Les mini ou les grands? Bah, les grands, c'est mieux. C'est plus lent. Ils sont bons. Hein. Mais si tu veux juste un petit mini, un petit pick-me-up, rapide, tu veux quelque chose qui te... Est-ce qu'ils ont un assortiment, comme ça tu peux goûter tous les goûts? Non, ça manque. Drumstick, ça manque. Il faudrait une boîte avec, les 3 différents styles. Bah oui. Parce que là, nos nouveaux arrivants, ceux qui arrivent au Canada, ils peuvent pas goûter celui qu'ils préfèrent. Il faut qu'ils achètent les 3. Mais je vous l'ai déjà dit, ça peu importe. C'est celui avec le caramel qui est le meilleur. Je sais même pas pourquoi vous voudriez essayer autre chose. Pourquoi ça s'appelle un drumstick? Vous savez, en fait, drumstick, c'est les bâtons pour jouer du tambour. Mm-hmm. Mais ça ressemble à rien à ça. On appelle aussi en anglais drumstick les pattes de poulet. Oui, j'allais dire c'est le poulet, je crois que c'est le poulet. Ouais, mais c'est un peu pour ça. C'est parce que c'est un peu la forme. Mm. Ouais. Ça ressemble plus à un truc de poulet qu'à un truc de musique. Ouais. Mm. Voilà. Ça, c'est la leçon du jour que personne n'avait demandé. Tu m'as dit que tu voulais leur parler du homard. Ah oui, mais la semaine dernière, avec le vlog qui est en train de télécharger en ce moment, on a mangé un lobster roll. Quand, en Acadie, on appelle une godille au homard, hein, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et j'ai mis dans mon article. Et j'expliquais à Astrid parce qu'elle m'a dit « Moi, en Nouvelle-Écosse, j'ai mangé du homard. » J'ai dit « Ah oui, elle a dit du homard frais. » Je dis « À quel moment de l'année t'es allée ?» Juillet. Elle a dit juillet, j'ai dit c'est impossible, il n'y a pas de homard frais en juillet. Elle a dit ben oui, ils nous ont dit que c'était frais, il était vivant dans l'aquarium. J'ai dit oui, ben ils l'ont pâché à un moment, ils l'ont gardé vivant dans l'aquarium. Et là, il n'était pas frais, il a été fraîchement pâché de l'aquarium. Parce qu'il y a 3 moments où on fait la pêche au homard dans les provinces atlantiques. Il y a le mois de mai,
C'est le meilleur homard. Il a beaucoup de chair, il est bien rempli, il est juteux, il est très bon. Ça, on le pêche dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ensuite, il y a le homard de la Bit Fundy en décembre. Lui aussi est très bon, très bien rempli. Donc, le deuxième, à mon avis, le deuxième meilleur, mais il est très, très bon aussi. Et il y a aussi le homard du mois d'août qui vient, lui, du sud du Nouveau-Brunswick. Et c'est celui que j'aime le moins, en fait. Désolée pour tous les gens qui, peut-être, viennent du sud du Nouveau-Brunswick. Moi-même, je viens du sud du Nouveau-Brunswick. Et c'est celui que j'aime le moins parce qu'il vient de changer de carapace. Le homard vient tout juste de muer. Ouais. Et il remplit pas encore sa chair et pas encore, il y a pas suffisamment de chair pour remplir la carapace et donc c'est presque vide. Mais si vous allez au Nouveau-Brunswick au mois d'août et que vous avez ce homard-là, il est bon pour faire des lobster rolls justement ou des sandwichs ou des trucs comme ça. Mais pour le manger en entier, moins. Ok. Ouais, je suis contente que tu aies l'occasion d'expliquer ça parce que moi j'avais trouvé ça hyper très intéressant. C'est important. Je suis très sérieuse moi quand ça vient à ma. Je suis très sérieuse quand ça vient à la nourriture. Oui, aussi. Et j'aime rendre service à tous ceux qui t'écoutent pour qu'ils savent bien quand manger le meilleur homard et quels sont les meilleurs drumsticks. C'est vraiment ton côté enseignante. Hein. Oui, mais je pense que c'est aussi les leçons qu'ils ont. Je pense que sur ton blog, depuis le début, je pense que c'est les leçons les plus... Mais je pense que je vais enlever tout ce qu'il y a à l'immigration. Ouais. Et puis garder juste mes trucs. Aller chez le médecin et tout. Enlève. Les tips à Marie. Tu vas faire une série comme ça. Ouais. Je vais me pointer sur ton vlog et puis je vais leur donner des trucs nourriture. Mais oui. Parce que vous savez pas, et peut-être la chance que vous avez ce coup-ci, c'est qu'elle habite à 3h. On habite à 3h l'une de l'autre, donc elle ne devrait pas venir toutes les semaines. Vous amenez. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ils sont très chanceux. Ils voudraient que je sois là toutes les semaines. S'il vous plaît, votez oui pour que je sois là toutes les semaines. Votez en commentaire si vous aimeriez qu'elle soit là toutes les semaines. Eh bien, je pense que le vlog n'est pas prêt d'être importé. Hein. On est rendu où, là? 5%. Ah, ben, d'ici à demain matin, il sera peut-être à 25%. Ouais, je laisse retourner, c'est pas grave. Voilà. Mais il est très beau, je l'ai regardé, le vlog de la semaine dernière. J'ai hâte que vous puissiez le voir aussi. Oui. Ben, vous l'aurez déjà vu, normalement. Oui, et si vous ne l'avez pas vu... Qu'est-ce que vous attendez? Pause immédiatement et allez regarder celui-là. Bah, surtout que celui-ci, il arrive à la fin. Donc finissez celui-ci et allez voir l'autre. Ouais, mais ils vont pas comprendre certains des références. Ah bah oui, mais bon, ça, c'est... ils avaient qu'à regarder, ils ont qu'à se tenir à jour. Hein. Bah, moi je me tiens à jour. Hein. Vous verrez le lobster roll qui a mené à la discussion. Voilà. Allez, bonne nuit. On vous met quelques images demain de autour s'il fait beau. Et puis s'il fait pas beau, vous les aurez quand même, mais ça sera avec des nuages. Et puis on vous souhaite une excellente nuit. Allez vous coucher et buvez de l'eau. Bisous. Bonjour tout le monde. Vous voyez que j'ai les cheveux au vent. Je voulais vous faire un petit tour du voisinage à l'extérieur. Excusez mes cheveux, hein, vraiment. Je fais ce que je pouvais, mais avec le vent. Regardez comme c'est joli à l'extérieur. Alors vous fiez pas à la météo. C'est pas la météo idéale aujourd'hui, vous voyez. Mais avec du soleil et de la chaleur, c'est un lieu idéal. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour de cet espace qui est vraiment super canon. C'est les mêmes propriétaires en fait qui ont plusieurs cabines, ça s'appelle Away Cabin. C'est à 1h30, 2h de Toronto, ça dépend d'où vous partez à Toronto. Et vous avez là le feu que vous pouvez partager avec les gens. On appelle le jacuzzi que vous avez vu aussi plus tôt. Vous avez des espaces partagés, mais vous avez celui où nous on est resté, c'est The Boathouse. Donc là-bas vous avez Lake House et je ne me rappelle plus les noms des autres. Mais le nôtre en fait c'est vraiment celui qui donnait sur le niveau de l'eau. Donc vous pouvez profiter de l'extérieur même quand vous êtes à l'intérieur. Moi c'est vraiment vraiment très canon. Donc je vous laisse toutes les infos dans la barre de description et moi je vais me mettre au chaud. Je vous laisse toutes les infos dans la barre de description si ça vous intéresse. Et puis ben, pour nous c'est le temps d'y aller, donc je vais faire la route pour retourner jusqu'à Toronto. Allez, bisous.